Reçois pour le favor, on va faire un tutoriel afrobeat. Il y a beaucoup qui veulent que je fasse ce genre de beat là, donc je fais plaisir à tous ceux qui me suivent. Donc le tempo il est à 134. On va écouter un peu la mélodie. Ici, il y a une autre mélodie. Voilà, c'est une mélodie prise dans Nexus. Ensemble, c'est-à-dire la mélodie aiguë et le lead. Donc après ça, tu mets une autre version de Tam Tam. Donc c'est une somme du... Voilà, tu mets ça au début. Voilà, tu mets ensemble, ça donne ça. Après j'ai ajouté une guitare basse là pour donner un peu plus de puissance au lead. Tu vois, j'ai copié exactement les mêmes notes que tout à l'heure. Voilà, ensuite ici en bas il y a des choses qui se passent là, ça c'est un lead aussi de Nexus. Voilà, je prends ça. Après, tu peux ajouter aussi des flûtes comme ça, tu vois. Ok, donc pour toutes les personnes qui me demandent pourquoi je compose pas beaucoup plus souvent en direct, s'il faut que je compose cet instrument-ci, ça m'a pris environ 45 à 1 heure. Donc tu vois que si il faut que je fasse une heure de tutoriel, pratiquement, c'est lourd, frère. Donc
Je crois que je te montre un maximum d'instruments et tous les VST ainsi que les dispositions des notes. Toi-même, tu peux reproduire, tu vois. Ok, donc tu mets une flûte. Voilà. Maintenant, ici, il y a une partie un peu trap là. Donc, tu mets un kick comme ça. Voilà. Après avoir fait ça, tu mets des petites percussions. Tu gardes les tam-tam. Voilà, puis tu complètes les claps. Voilà, tu peux mettre basse au début. Cette basse, elle est disponible dans un de mes drum kits qui est offert à tous ceux qui suivent mes formations accélérées. Donc c'est une basse qui est très utilisée dans beaucoup de sons. Voilà, je remets la mélodie. Donc ça c'est une guitare mute de Nexus encore. Voilà, donc tu prends cette guitare. Ok. Maintenant, on met le 808 pour gonfler le son. Donc ça, c'est le 808. Tu vois, cette note-ci, j'ai coupé la vélocité. C'est pour couper, en fait, la 808. Je sais pas si tu peux. Voilà. Ça coupe complètement dès que ça arrive là. Voilà. Ensuite, là, j'ai slidé. En faisant ceci, tu double-cliques tout simplement sur la note. Voilà. Et puis, tu obtiens ça. Tu cliques sur slide. Si tu désactives, il disparaît. Tu actives, il apparaît. Tu vois que la note, elle est différente de celle-ci parce qu'elle a été slidée, quoi. Voilà, donc c'est en fait ça. Ça, c'est une guitare de Simple Things.
guitare acoustique. Voilà, là tu vois, après la caisse là, il y a, en fait, c'est pour annoncer que la mélodie qui en basse, ça revient en force, tu vois. C'est un peu ça. Voilà. Donc, c'est des tombes. Et ensuite, t'as quoi? T'as un crash là. Voilà. Et tu mets une caisse à la fin. C'est tout. Tu vois, c'est tout là. Ok, donc si c'était tout pour cette vidéo tutoriel, si tu veux en savoir plus sur tout ce qui va te permettre de pouvoir composer des instrumentales comme ça, attirer des personnes pour pouvoir facilement les vendre après avoir composé, je t'invite à cliquer tout simplement dans le lien dans la description. Tu vas pouvoir télécharger des séries de vidéos, plus de 50 vidéos qui vont te permettre de pouvoir faire des instrumentales similaires, avoir les outils nécessaires, avoir les bons packs sons, avoir les bons VST, ainsi que les stratégies qu'il te faut pour pouvoir attirer des personnes et les vendre ces différents produits qui seront des instrumentales ou plein d'autres choses. Si ce, ciao.